Hier, dans la première partie de notre grand feuilleton de l'hiver du Rififi dans le Vexin, j'ai raconté le sauvetage de mon week-end romantique avec ma concu par un danseur du Moulin Rouge qui était en réalité le propriétaire du gîte La Casa Romantica, alors que notre voiture était coincée par la neige et le verglas dans la Côte du Diable, et ce, dans la nuit, par moins 7 degrés. Tout le monde a bien suivi. C'est exactement, tout est vrai. Laissez-moi donc vous raconter la suite, et croyez-moi, cette fois, la romance a été au rendez-vous. À notre arrivée, on se réchauffe près du feu et on se dit « Ah, ça y est, on nage dans le bonheur ». C'est alors qu'on réalise que dans ce gîte, il n'y a pas d'eau. Mais genre, pas d'eau du tout. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas d'eau pour se laver les mains, il n'y a pas d'eau pour boire et surtout, il n'y a pas d'eau pour tirer la chasse d'eau. Notre théorie, c'est que comme il fait moins 7, les canalisations ont gelé. Or, ma concu et moi, on est ensemble depuis 4 ans et demi, c'est un beau score, mais on n'en est pas encore à l'étape « on fait pipi sur le pipi de l'autre sans tirer la chasse ». Disons que pour garder la flamme de la passion allumée, on a fait gaffe à pas l'éteindre avec du pipi, quoi. Donc on prévient la dame du gîte, qui est toujours en pleine soirée et qui est désolée, on lui dit « c'est pas grave, on va s'arranger, pouvez-vous juste nous donner quelques bouteilles d'eau pour tenir jusqu'à demain matin, que ça fonde et que l'eau revienne. Merci et bon French cancan. » Ma concu, épuisée de nos émotions, s'endort vite, mais moi j'ai envie d'aller au petit coin, donc j'y vais. Et comme j'arrive pas à me résoudre à laisser ma petite commission en exposition, je décide de vider une bouteille d'eau dans les toilettes. Et dans un éclair de génie, je prends l'initiative d'aller dehors chercher de la future eau pour nos futures chasses d'eau. Alors pourquoi je dis future ? Eh bien tout simplement parce que j'ai décidé d'aller chercher de la neige dans un bac d'essoreuse à salade et un verre doseur que j'allais donc laisser fondre dans la nuit pour le lendemain. Comme ça, pas d'odeur de vieux pipi qui traîne. C'est quand même pas pour rien que la chronique s'appelle Fraîcheur Marine. Me voilà donc à 1h10 du matin en pyjama t-shirt à rentrer gelée dans la maison avec mes saladiers de neige. Et là, j'entends ma concu qui se réveille et qui me dit « Mon chat, t'as été faire caca dans la neige !» Ouais, je vous cache pas qu'à ce moment-là, la flamme est éteinte. Et bien éteinte. Hein. Il n'y a même plus un vieux bout de braise qui traîne, il n'y a rien, il reste que de la cendre. Non mais pardon, mais moi je pensais que j'avais un couple équilibré, un couple qui marche. Comment ma meuf a-t-elle pu penser que ma solution au manque d'eau, c'est d'aller tout simplement me tapir dans un coin du jardin, qui, je vous le rappelle, est également celui de la maison des propriétaires qui font la teuf avec leurs amis en dansant le French cancan à quelques mètres de là. Le tout pour discrètement faire un petit caca, mais elle me prend pour qui ? Un golden retriever ? Bon, en même temps, il n'y avait pas de jugement, c'était vraiment une question. Marine, as-tu été te soulager dans la neige ? Elle n'était pas inquiète, elle était interrogative et finalement concernée par le bon déroulement de mon transit dans des conditions extrêmes. Ce qui est évidemment une preuve d'amour. Mais si j'avais répondu oui, oui c'est vrai, je suis allée faire caca dans la neige, il se serait passé quoi ? Elle m'aurait fait une révélation bizarre elle aussi ? Ah bah tiens, puisque tu défais allègrement dans la neige, je veux dire que moi aussi je garde mes rognures donc dans un Tupperware avec lequel je dors. Tu veux le voir ? Bon, en tout cas, on n'avait pas d'eau, ma meuf pensait que je faisais caca dans la neige et mon week-end n'était pas encore vraiment commencé. Je vous raconterai demain la fin de notre grand feuilleton de l'hiver, du Rififi dans le Vexin. Oh, on retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle en tournée à Lille à passer. À partir du 1er février, tu seras à Paris le jeudi soir au Grand Point Virgule.